Vive Haïti, parti social et politique, condamné à toute force nous. Expulsion massive qu'a fait à compatriotes de Texas à Haïti. L'en rappelé, en 1969, en novembre 1969, il y a un accord qui est signé. Quel que soit le pays sous la terre, pas de droit faire déportation massive de la caille. Alors que, je dis en tout, nous rappelons une qualité de combat haïtien été mené au Savannah pour permettre les États-Unis de gagner l'indépendance. Je dis, c'est ça, lui mettre nous comme pays qui dit ses amis. Et c'est avec un pile tristesse, nous sommes capables de dire, c'est une action contre l'humanité, vous faites façon à déporter les compatriotes, nous, pile monde, avec pile petit monde, mal dormi, mal mangé, vivre dans le pays tout sale. Alors que tout le monde dit, Afghanistan là, et bien les États-Unis sont tous pour recevoir plus de 30 000 et bien Afghans. Alors que la nation, ça, ces nations ont déclaré l'ennemi juré des États-Unis d'Amérique. Alors que nous-mêmes, qui sommes nations, qui sommes amis, les États-Unis, gardent ça, ils font. Je dis à nous demander les États-Unis qui mal Haïti fait la payer. Sinon, dans toute misère, nous y aujourd'hui là, les États-Unis la donnent. L'un songe 10 ans PHTK passé dans tel pays là, c'est avec support grand nation ça qui permet eh bien nous ça fait 10 ans gagouter. L'un songe pile richesse nous te gagner sous sol nous comment yo exploiter alors que Haïti pas tiré rien comme bénéfice. L'un songe tout eh bien vague monde qui travaille très dur aux États-Unis qui permet les États-Unis une grande nation que lié aujourd'hui là, nous croyons que c'est pas ça il te doit remettre nous. Une nation c'est l'ennemi juré les États-Unis. Les États-Unis ouvrent porte ils recevoir. Mais tout n'a pas rappelé Joe Biden. Elle était candidat à la présidence. Tout le monde était dans la Floride, il était arrivé, il était dans l'élite Haïti. Il était mis à genoux devant pied, devant peuple haïtien pour te dire de supporter. Et tout de suite, il est au pouvoir. Je ne veux dire, regardez, qui humiliation, eh bien, ça baille eh bien, devant le monde. Je veux dire, nous voulons demander avec les États-Unis, déportation massive, ça, la fête la caille. Ou bien expulsion, ça, façon la fête là. C'est bon, bagaille qui belle devant le monde. Il va être demandé, monsieur, font camper eh bien, sous déportation ça, ou sous expulsion ça. C'est ça, il va être demandé. Comme nous n'avons pas de gouvernement, comme nous n'avons pas de ministre affaires étrangères pour nous passer directement par eux-mêmes, eux-mêmes qui ont fait route là, nous-mêmes nous sommes obligés d'aller plus droit pour nous dire déportation ça. Ce n'est pas bon pour le pays. Nous, au moment, le pays a un grand coup. Il y a une misère, il y a un chômage, il y a la vie chère. Bon kidnapping sans pareil, et je vous dis, on va refouler nous pile le monde, alors que Haïti déjà a une misère sans pareil. Nous venons demander de nation, nous ne pouvons pas supplier. Nous venons dire, mais que convention signe pour ça déjà, pour déportation massive pas faite. Donc songez, en novembre 1969, c'est tout le pays sous la tête de Chita, dans le pays Costa Rica, Tefel, qui te dit, eh bien, question de déportation massive, non, ça ne va pas faire. Deuxième point, nous avons abordé dans la conférence, c'est concernant le dossier, eh bien, Ariel. Tout le monde songe bien, Vive Haïti, eh bien, te porté plainte pour Ariel. Et je dis, nous avons un nouveau bagage. Et Vive Haïti a fait une conférence de presse ce matin pour nous féliciter, même saluer le courage du commissaire gouvernement Bedford Close qui a pris responsabilité eh bien, pour te écrire Digicel. Et Digicel vient confirmer effectivement l'appel. Il a été fait, mais il y a deux choses qui attirent l'attention et bien parti Vive Haïti dans le dossier. Numéro 1, Digicel dit deux appels ça a fait Ariel. Et Montana, Joseph Félix Badjo, tu es toujours sous lieu criminel, Pélérin 5. Ça veut dire que j'ai une explication pour le bail. Deuxièmement, monsieur, avec une rapidité, il a révoqué le commissaire gouvernement. Ça veut dire que son monde a fui la justice, son monde a couru pour ne pas répondre à la question de la justice. Et je dis, si monsieur était clair dans la question de la mort, je venais là, ou bien dans le crime, ça, nous croyons que monsieur a fait la piste simple, il a fait aller pour répondre à la question. La justice. C'est avec un peu d'étonnement que Parti Vive Haïti a regardé sur les réseaux sociaux que M. Béton note dehors pour dire que le pas qu'on a rien dans le crime. Vive Haïti va jamais accuser. Nous ne pouvons pas dire qu'on a rien dans le crime. Mais seul bagaille, si on va pour aller dire concernant le crime, ça, c'est pour faire papier pour mettre dehors, c'est la justice pour aller pour laver tête. Et nous devons faire la piste simple, piste coup de pour nous allons porter plainte en façon pour éclaircir tête. Je dis, hein. L'on paraît, vous mettez un bout de papier pour ne pas qu'on ait rien, en pile, le monde a pris Léo pour question de sécurité. Mais monsieur, on entend nous. Comment c'est pendant le badge sous le crime? C'est laisser à l'abri l'eau pour dire sécurité pour gérer tout.
Et comment ils ont dit c'est M. Philippe Touye, et bien Jovenel Moïse, et puis c'est lui-même qu'on a dit, et bien pour veiller tête tout, veiller côté ou mettre pied, veiller sécurité, prendre responsabilité. Là, nous ne sommes pas clair dans le bagage. Je veux dire, nous venons dire, et bien Ariel gagne pour la répondre à la question de la justice et féliciter la presse qui permet de gagner l'éclaircissement qui fait dans le bagage. Et nous avons tout bon précision. Nous va ici venir là pour demander justice pour Jovenel. Loin de là. Nous va venir demander justice pour Jovenel. Au contraire, si nous avons justice pour demander, nous avons demandé pour Moun Belé, pour Moun Riel de Saline, pour Moun La Saline, pour Moun, eh bien, Delma 32, son victime avant hier là, Nétis Clair et Latrier. Nous n'avons pas demandé justice pour Jovenel, mais nous avons tracé un exemple pour ça qui est passé là, pour ne pas jamais refaire encore pour le président à mourir sous pouvoir, quelle que soit l'indifférence que nous avons ensemble avec lui. Et nous, ouais, malgré toute l'obéissance, non Ariel a cité là, il faut quoi la justice pour la répondre à la question, nous avons un pile accord à signer. En plus, les gens signent un accord. Et nous comprenons à cause de ça. Ce n'est pas un accord bicéphale, ce n'est pas un accord tricéphale, ce n'est pas un accord monocéphale, mais plutôt son accord profale. Ça veut dire tout le monde a cherché job, tout le monde a cherché poste, tout le monde a cherché corps. Ça veut dire même la mairie, nous dit qu'on va quitter le petit peuple là, il y a venu après tout le bagage. Je dis, on veut nous rappeler avec le peuple haïtien. Surtout, un pile monde qui était dans la rue, qui t'a mobilisé. Pour nous dire, nous avons déchouqué Jovenel, nous avons changé le système, nous avons éradiqué ça qui est là, nous avons fait dossier Petro-Caribé, prisonnier politique. Mais je dis, nous c'est l'autre bagaille qui a parlé. Et je viens rappeler avec mon cap dit, il faut que mini justice par là pour prisonnier politique libéré. Nous avons dit, tout le monde, il faut que je ne pas clair, il pas réel dans ça. Ce sont des décisions politiques qui te mettent tout prisonnier politique qui ont. Mais mes amis, vous n'avez pas besoin ni accord politique, ni entente politique. Vous mettez prisonnier politique dehors, nous sommes Ariel, nous sommes amis Ariel, nous avons été témoins là avec Ariel. Nous avons dit Ariel, on simple bagaille, prisonnier politique, fait la coup d'appel, tant de négo, mettez dehors, nous n'avons aucune mini-justice pour ça, nous sommes blagues, nous sommes fake, nous pas réel. Nous venons faire quoi? Je dis à tout le monde d'accord, depuis le groupe, l'équipe ça arrivé là, pas qu'il y a opposition encore. Si vous avez opposition, vous allez vivre Haïti. Si il y a un monde qui campait en face à lui, il est vivre Haïti. Et tout le monde, il a offert vivre Haïti en pile bagaille. Nous-mêmes, nous prenons position. Nous disons que c'est petit peuple. Nous sommes dans la matrice peuple. Nous ne sommes pas là pour intérêt tête, pour intérêt poche, pour intérêt ventre, pour intérêt fale. Mais plutôt, nous allons chercher à défendre l'intérêt de l'Haïti. Intérêt de monde qui est mal. Et je dis à tout le monde net, il y a la guerre du peuple là. Question de déportation, ça ne va pas intéresser personne. Question de prisonnier politique, ça ne va pas intéresser personne. Question, eh bien, Petro-Caribé, ça pas intéresser personne monde. Je dis, tout le monde, qu'on accord qui s'y est, entre qui te fait partie de l'opposition réelle et PHTK, tout autre pays avec la guerre, côté nier, je vous dis. Ma fini pour me dire, responsabilité, ça nous donne. N'est pas même besoin de faire des offres, aucun bagaille, pas avant, eh bien, Ariel, fait lumière sur qui monde que lié. Est-ce qu'elle est impliquée dans le mort Jovenel Moïse? Nous ne connaissons pas. Est-ce qu'elle est impliquée dans l'autre crime? Nous ne connaissons pas. Est-ce qu'elle est impliquée dans le massacre? Nous ne connaissons pas. Mais ça qui est important, c'est un petit bruit qui a couru dans la rue. Qui dit Ariel, ce terrain vient préparer pour Michel Matéli. Même je crois que des nègres qui tapent sans honte en pile. Pour ça, Matéli fait pays. Pour ça, PHTK fait pays. Pour ça, Jovenel fait pays. Et puis, pour un petit groupe de monde, t'as dit qu'il sorti dans la bataille pour défendre l'intérêt du peuple. Et puis pour plonger à fond seul là, non seul intérêt, pour aller chercher des choses pas. Je finis net pour me dire, nous dans une situation, le peuple a l'île en grand, l'île en misère, l'île en chômage, l'île en richesse, l'île en insécurité. Alors que je vous dis, eh bien, l'école ouverte. Pendant l'école ouverte, c'est pour la première fois que je parle de la police dans la conférence de presse pour dire, eh bien, mais qui forme de sécurité, vous prenez le bail dans la zone côté de l'école pour empêcher qu'il n'appelle les petits monde. Mais tous ces moments pour nous bailler les parents, nous conseillons. Pour nous dire, tout parent qui prend l'école avec petit tout, ou bien qui prend charger petit tout l'école, il faut qu'on marteau dans la valise. Il faut qu'on bout de fer dans la valise. Il faut qu'on mette un couteau dans la valise. Parce qu'on n'a ni la police, ni l'État qui pour défendre aussi qui tape avec petit tout. C'est vous pour défendre petit tout, c'est vous pour défendre tête. A saluer la population haïtienne. Malgré toute tribulation, et féliciter presse la tour qui sacrifie pour venir couvrir la conférence de presse ce matin. La conférence de presse ce matin est faite dans un contexte qui est tout à fait spécial. Le pays a traversé des moments difficiles. Et ça, ça a vivre
non frères nous sœurs nous compatriotes nous en bas pour des Rio dans pays Texas aux États-Unis nous capable dire son crève-cœur bagaille nous pas même rêver nous t'a vivre journée jodiant nous venir arriver dans vivre. C'est vrai, les États-Unis, en tant que pays qui toujours fait promotion pour droit monde à travers le monde, qui toujours montre qu'ils sont prêts, quel que soit côté droit monde menacé à travers le monde, ils sont là pour défendre droit monde. Je dis, nous, c'est les États-Unis qui ont remettre. Nous remettons contre nous-mêmes haïtiens. Haïti, terre liberté. Haïti, terre hospitalière. C'est ça de ça qui nous fait nous. Quoi? C'est ça qui fait la caille nous. Nous toujours ouvert poignet, nous ouvert main nous, des bras nous, pour nous accueillir quel que soit le monde. Je dis, peuple haïtien, le 20 ans pour des juifs errants. Nous n'avons pas de territoire. Nous n'avons pas de peste côté pour nous en sécurité. La caille nous en sécurité pour nous il y a zéro. Parce que je ne vous dis, quel que soit côté sur le territoire la caille en Haïti, on parle en sécurité. Gang se yo seul mettre chanter, seul qu'on chante à travers le pays. Gang nan di la rue blanche, même policier ou pas ouen dans la rue. Machine officielle yo, kap tout les oreilles moun, depuis gang yo parle, même machine ça va pas prendre la. Je dis, les États-Unis ont profité parce que yo ouais qui j'ai autorité la caille nous traité nous et ben yo même yo entrer dans même logique là yo traité nous plus mal. C'est pas qui grave. Ouais, des policiers sous cheval à frais cash dans main yo. Y a bat frais nous yo, y a bat sain nous yo. Yo fait cheval yo monter sous yo. C'est bagaille pour faire plus couler dans ciel. Mais pas décourager. Parce que dans sagne là faut sortir là. Et pour nous sortir la donne, ce n'est pas quel monde qui va le goûter pour pouvoir. Ce n'est pas quel monde qui va le goûter pour poste en dans pouvoir. Mais c'est de monde haïtien, natif natal, qui doit prendre responsabilité. Pour nous dire, paye ça. Depuis, après 17 octobre 1806, après l'assassinat du général Dessalines, tout ça qu'a fait en dans pays, il y a toujours séparé un monde pas. Mais pays en général, pas jamais bénéficier de nous-mêmes, bataille nous-mêmes au niveau. Parti politique Vive Haïti, nous ne partageons des postes à personne. Nous ne partageons des gâteaux à personne. Nous ne partageons des responsabilités à personne. Nous ne partageons des richesses pays avec tout haïtien. Et si tout haïtien joue un petit leur siège par eux, dans la richesse pays, une bonne garantie, haïtien ne pas parti pour avoir une humiliation. J'ai appris aux États-Unis. Et ça fait nous-mêmes au niveau Vive Haïti. Nous dit l'État haïtien, si nous avons un sens de responsabilité vraie, ça a d'adoué. Nettoyer figu, laver figu nous. Mais comme son bon corrompu nous. Comme son bon et de facto nous. Nous ne sommes pas intéressés. D'ailleurs, nous avons passé là dans le Grand Sud. C'est comme si l'État haïtien déjà oublié moun sa yo. Et souffrance moun yo, yo frappé fort. C'est chaque jour moun yo après les cyclones, inondations, tremblements de terre. Moun yo pas à l'école. Yo pas à petit à l'école. Yo toujours dans la rue. L'État haïtien aide yo ba yo nego manger la manger kobyo. Gen plusieurs bateaux qui ont débarqué sous waf la. Nego fon manger yo depuis sous bateau yo. Si 5 en d'ici 15 camions sorti pendant journée, 5 seulement a joine l'État haïtien. Moi je joine moun ki victime yo, sinistre yo, mais 10 camions a fait route cochi, y a vendre yo. Yo ça n'a qui ça n'y est. Manger sinistre, oui. L'État haïtien, c'est 15 camions qui sortent pour journée. Hein. C'est 5 camions sinistre, 10 là-dedans, n'a pas vendu. Mais n'a qui ça n'y est. Moi, comme on voulait voir haïtien, pour ne pas sentir humilié, la caille pour prendre l'autre humiliation de yon, nous t'en écrivons. C'est ça fait nous-mêmes nous dire que nous sommes de côté. Nous avons fois encore vivre Haïti. Nous avons demandé avec le gouvernement américain, nous avons demandé un moratoire. Un moratoire, le temps pour. Nous ne pouvons pas voir les gens mourir parce que dans le quartier, les gens qui ont occupé l'espace, ils ont violé, ils ont kidnappé, ils ne sont pas contre ça. Nous demandons un petit temps. Pour un petit temps, ensemble avec les gens, pour nous, le temps, le pays est capable de vivre bon.
pour haïtien ta retourner la caillou parce que tout haïtien y aurait même pays d'Haïti puis mal passé d'être. Merci beaucoup. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakai.